allez vous rendre au marché et vous allez demander les feuilles de manioc. Les amis, les feuilles de manioc ont une particularité fabuleuse. Vous allez acheter les feuilles de manioc. Vous allez écraser avec la pierre. Mettez-vous complètement acharné sur vous. Alors, faites cette astuce. Vous allez acheter un citron. Vous allez le couper en trois parties égales. Je dis, vous coupez d'abord le citron en deux. Arrête. Il faut que vous vous levez pour que les choses s'arrêtent. Parce que si ça continue comme ça, votre vie va être de combat en combat. Non. Dieu en pâte. Le citron, vous allez le couper en trois. Vous coupez d'abord en deux. Et vous prenez l'autre morceau, vous le coupez encore en deux. Ça fait trois. Seigneur, prenez maintenant la pâte de manioc, mettez-la d'abord sur le premier morceau de citron qui est rond. Vous le mettez. Sortez de votre maison et cherchez trois cailloux. Vous allez mettre comme si vous étiez en train de préparer la nourriture africaine. Vous allez mettre, quand vous avez mis, vous allez maintenant chercher, prendre les deux morceaux que vous avez coupés en deux. Et vous allez prendre la pâte, vous allez mettre. Il faut t'élever. Parce que les astuces que je propose, ce sont des codes que je vous donne. Et ça, ça ne les plaît pas du tout. Ça ne les plaît pas. Voilà. La recette que vous avez eu à faire, vous allez prendre les deux morceaux là, vous allez les coller sur les cailloux là comme ça, pas. Hein? Mettez, vous prenez l'autre morceau, vous collez comme ça, pas. Ça va faire une boule entière. Cherchez un fil ou cherchez comment vous allez disposer. Vous allez chercher les trois autres cailloux dehors et puis vous allez déposer d'abord le rond là sur les cailloux et vous allez déposer les autres là comme ça. Hey! J'ai seulement, et puis il avance seulement. Toi-même, tu vois que la situation là, ce n'est pas normal. Fais cette astuce là seulement. Fais cette astuce là que j'ai montré seulement. Avant que la personne va découvrir le code là, fais. Tu vas respirer un coup. Ah! Hé, Seigneur! Tu ne travailles pas ces problèmes, tu travailles ces problèmes. Tu ne réussis pas dans ta vie ces problèmes, tu réussis dans ta vie ces problèmes. En fait, jusqu'à présent, souvent je me demande s'il faut quitter la planète là pour aller sur une planète où je serai. Parce que franchement, tout le monde a droit de vivre quand même heureux. Et mon combat, depuis que j'ai créé cette page, c'est pour que vous aussi, votre vie soit une liberté, que vous soyez tranquille dans votre vie. Mon combat, c'est de voir des gens heureux et qui rient et qui sont heureux dans leur vie. C'est tout ce que Dieu veut pour vous. Mais si vous êtes combattu, les amis, l'astuce là, mettez ça dans un petit coin de votre maison seulement. Si vous avez mis dans votre petit coin de votre maison, respirez, dormez tranquille. Quand vous allez la déposer, vous allez sentir que le poids qui est sur vous, là, vous avez déposé. Vous allez sentir ça au fond de vous. Parce que les feuilles de manioc et le citron vont tout de suite activer quelque chose rapidement chez vous. Il n'y a rien. Qui n'a jamais marché sur des cailloux? On prépare en Afrique, on prend le caillou, on dépose ici, on dépose ici. Même quand vous vous retrouvez dans le désert, on prend le caillou, on dépose ici, on dépose ici. C'est trois, toujours trois. Vous savez pourquoi? Ça garde un pouvoir sacré. Les gens vont vous laisser tranquille. Les amis, l'amour est quelque chose de primordial pour son prochain. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, il n'y a pas de raison que le bon Dieu ne se lève pas pour toi. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, il n'y a pas de raison que le bon Dieu ne se lève pas pour toi.
Mon frère, que Dieu libère ton cœur et ta vie. Tout est là à côté de vous. Si ça peut aider, je partage. À bientôt.